Bonjour, bienvenue à la Cabre d'Or. Je me présente Michel Hulin. Je suis chef de cuisine depuis mars 2001, donc dans ce relais château avec une étoile Michelin. Donc nous allons vous présenter un carpaccio de cabillaud avec un velouté de potimarron aux truffes et une crème fouettée mascarpone truffe d'automne. Donc nous avons sélectionné aujourd'hui avec ce plat un Saint-Péret en 2012 de fleur de roc qui va très bien aller avec cette entrée assez simple à réaliser. Une belle complexité aromatique qui souligne bien le cabillaud et qui va très bien agrémenter la truffe avec le velouté de potimarron. Pour cette recette, nous avons besoin de potimarron, échalotes, lard fumé, le cabillaud. On va passer au sel et sucre pour faire un poisson confit. Nous allons donc l'agrémenter avec une crème de mascarpone, crème fouettée avec de la truffe hachée, une julienne de jambon rabougo, des croutons de campagne, de l'oignon cébette et des petits bâtons de courgettes. On mettra par-dessus le carpaccio de l'huile d'olive de la Vallée des Baux, fleur de sel de Camargue et au dernier moment le velouté de potimarron pour juste faire un mi-cuit avec le carpaccio. Donc dans un premier temps, nous allons démarrer en cuisson le velouté de potimarron. Donc on commence par une échalote simplement émincée. Donc pour démarrer la cuisson, nous avons besoin de ces ingrédients-là. Donc on a mis un trait d'huile d'olive, quelques morceaux de beurre. On va faire suer donc les échalotes, suer l'eau de végétation d'un légume, donc sans coloration. Sinon ça risque de teinter le velouté de potimarron. Après on rajoute le lard fumé, c'est pour donner une profondeur et une gourmandise sur le velouté de potimarron. On n'oubliera pas d'enlever au moment du mixage. On rajoute le potimarron. Après ces trois opérations, nous allons mouiller avec un fond blanc de volaille, donc qui est réalisé à base de carcasses de volaille, une garniture aromatique, carottes, oignons, poireaux, céleri, bouquet garni, de la crème double. Du lait également, pour alléger un peu, pour éviter d'avoir trop de matière grasse. On va un tout petit peu assaisonner, pas trop. Pensez qu'il va y avoir l'évaporation. Et qu'il y a aussi le morceau de lard fumé. Donc pour agrémenter notre carpaccio, on va faire une julienne de jambon qu'on va passer à la poêle. Donc julienne de jambon, c'est des fines lanières, la taille julienne. Et après, une fois passé à la poêle, va devenir un petit peu croustillant et donner ce goût canaille au carpaccio de cabillaud. Donc là, un petit peu d'huile d'olive pour réaliser la julienne de jambon. Donc on voit bien que les filaments de jambon se séparent. Ça va devenir un peu crispy. C'est à ce moment-là qu'il faudra débarrasser. Donc on réserve ça de côté. Pour le salage du cabillaud, donc on prend du sel fin. On sucre à 20%, c'est-à-dire pour 80 g de sel. On met 20 g de sucre, on n'hésite pas, on assaisonne bien. Donc après, on met ça au frais et on laisse ça mariner un quart d'heure. Au niveau donc de la garniture, donc on va retrouver donc des petits oignons cébettes qu'on va tailler en sifflet. On va aussi mettre des petits bâtons de courgettes. Donc on va récupérer que la partie verte. Donc pour le dos de cabillaud, donc ça fait maintenant un quart d'heure qu'il est au sel. Donc on peut voir qu'il a mariné. Donc là, il faut simplement bien le frotter sous l'eau pour bien enlever l'excédent de sel qui est dessus. Ensuite, bien éponger. Et après, on met ceci au frigo toute une nuit. Le sel et le sucre vont continuer à agir sur le filet de poisson. Le velouté de potimarron est prêt à mixer. Donc on n'oublie pas de retirer le morceau de lard. Donc on va faire un mixage. Voilà. Donc une fois mixé, on va passer au chinois fin. Une fois que vous avez passé le velouté de potimarron et chinoisé, il ne faut pas que ça soit trop épais pour pas que ça fasse une purée. Pas trop liquide non plus. Ensuite, on émulsionne pour faire apparaître l'écume qui est dessus et rendre le mélange plus léger. Et donc après, donc on sert dans des petits pots à lait. Et voilà. Donc maintenant, nous allons tailler le carpaccio de cabillaud. Enfin, le carpaccio donc, qui a séché une nuit. Donc on peut voir que le poisson est carrément devenu translucide. Voilà. Avec le sel et le sucre. On fait des copeaux d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur.
Vous pouvez voir au niveau du rangement des copeaux à l'intérieur, un disque bien à plat. Donc on va passer au dressage. La fleur de roc qui va accompagner l'assiette. Alors pour le dressage, donc le carpaccio, on va le centrer dans l'assiette. Donc après on va rajouter fleur de sel, ciboulette. Après on a la petite julienne de jambon rabougo. Voilà. Des croutons de campagne dorés, un pain de campagne, donc on a fait des tranches, des petits bâtons de courgettes, des sifflets de cébette, dans le même sens, plus harmonieux. Donc maintenant on va rajouter la crème fouettée. Donc pour la recette de la crème fouettée, c'est autant de crème fraîche liquide, autant de mascarpone. Donc on la monte en chantilly avec un fouet tout simplement, puis on rajoute au dernier moment de la truffe hachée, sel, poivre uniquement. Quelques pousses de micro-végétaux pour donner un peu plus de fraîcheur. Et donc au dernier moment, quelques lamelles de truffe d'automne. On peut également le faire avec de la truffe d'été ou bien sûr la tuber mélanosporum, la truffe d'hiver qui est bien sûr la meilleure à mon goût. Un dernier filet d'huile d'olive. Voilà. Une fois que l'assiette est terminée, finie, il ne reste plus qu'à rajouter le velouté de potimarron, bien chaud le potimarron, ça recouvre le carpaccio. Et voilà, bonne dégustation. Donc avec le carpaccio de cabillaud aux truffes et avec le velouté de potimarron, on a sélectionné donc un fleur de roc à Saint-Péret, année 2012, qui vient de la cave de Tain, qui est un vin 100% blanc, qui vient du nord des Côtes-du-Rhône. C'est un vin qui est produit à base de Marsanne et de Roussanne. C'est un vin qui s'harmonise très bien avec cette recette, qui provient d'une sélection parcellaire de vieilles vignes. Une très belle rondeur avec une complexité aromatique qui va très bien s'allier avec la finesse du cabillaud et agrémenter la truffe et le velouté de potimarron. Un très beau nez, belle complexité. Voilà, un vin très très bien fait.